Oui, je vais traiter de la science et de la langue, et ce sujet va être traité deux fois, sous le titre suivant, « La savante et le bavard », parce que Madame Salvia va parler de la science et de la langue du point de vue des sciences. Quant à moi, je vais parler des sciences du point de vue de la langue, et par conséquent, elle sera la savante, et moi, aujourd'hui, je serai le bavard. En 1914, à la veille du premier conflit mondial, 51% des Français parlaient alsacien, picard, breton, basque, languedoc, franco-provençal ou corse. Il fallut donc former des brigades, des bataillons et des corps d'armée commandés par des officiers locuteurs de ces langues régionales pour que les paysans fantassins puissent les comprendre et y obéissent. Voilà donc à peine un siècle, la langue française n'était pas majoritaire dans notre pays. 100 ans après, la situation s'est complètement retournée. Pourquoi ce changement foudroyant ? Comment s'est-il produit ? Première raison, l'abominable boucherie de 14 a en effet tué des millions de paysans fantassins qui étaient les locuteurs de ces langues régionales-là. Mais au cours des décennies suivantes, la baisse du nombre des paysans fut telle qu'aujourd'hui, dans notre pays, le nombre des paysans est égal désormais à 0,8% de la population, alors qu'il était au début du XXe siècle de beaucoup plus de la moitié. Du coup, ces langues régionales, breton, corse, picard, languedoc, etc., ces langues régionales, dis-je, sont disparues faute de locuteurs, ou ont beaucoup baissé faute de locuteurs. Faute de locuteurs, c'est sûr, mais aussi le monde rural, ses habitudes, ses outils, ses objets ont tellement disparu que ces langues ne désignaient plus d'objets réels et présents. Deuxième raison. Dès lors, devant cette déroute, des militants de très bonne volonté ont voulu les conserver ou les sauver en initiant des enseignements dans le secondaire et le supérieur de ces langues régionales. Mais cependant, cet enseignement n'a pas pu enrayer leur inévitable élan affaissement. J'en trouve une raison, peut-être une raison paradoxale, c'est que ces enseignements des langues régionales dans le secondaire et dans le supérieur ont été proposés dans les classes et dans les départements de lettres. Or, dans les classes et les départements de lettres et de sciences humaines, on apprend la langue des hommes, la langue des relations humaines, on n'apprend pas la langue des objets. Et la question que j'ai envie de poser, fallait-il enseigner ces langues dans les départements de sciences pour qu'elles puissent dire, pour continuer à survivre, des mots tels que tétraèdre, boson de Higgs ou ATP trisphosphate. Voilà donc posé par la question de la vie et de la mort des langues la question qui est l'intitulé de nos deux conférences, la langue et la science. Vie et mort de certaines langues, quel rapport avec la science ? J'ai donc assisté toute ma vie à la vie et à la mort de certaines langues. Mes parents parlaient gascon et quercinois. Je les parlais, je ne les parle plus, faute d'interlocuteurs. Faute d'interlocuteurs, mais aussi d'objets à désigner. D'objets à désigner ou à construire. Question, à quoi tient la mort des langues ? Faut-il redouter la mort de certaines langues, dont peut-être la nôtre, celle que nous partageons ce soir, la langue française ?
Et pour savoir comment meurt une langue, je voudrais poser la question, mais qu'est-ce donc une langue vivante ? Et je vais commencer par vous proposer une réponse à cette question. Qu'est-ce donc une langue vivante ? La réponse que je donnerai volontiers à cette question, c'est qu'une langue vivante est une puissance. Et je vais m'expliquer sur ce mot « puissance ». Je prends puissance au sens du potentiel, de la capacité. Une langue vivante a le pouvoir. Une langue vivante a le pouvoir de tout dire. Elle prétend qu'elle peut tout dire. Elle peut dire l'agriculture, la géométrie, la médecine, la pitié, la religion, l'extase, le paysage, la mer, la montagne, la poésie, l'amour, les émotions, le visible, l'invisible, le tangible, l'intangible, l'abstrait, le concret, les poissons, les outils, les métiers, les choses concrètes, les concepts abstraits. Il n'y a pas un lieu du monde, il n'y a pas une attitude ou une action d'un être vivant, il n'y a pas une relation humaine où elle n'ait pas son mot à dire, où elle n'ait pas son verbe à glisser. Elle se glisse partout comme l'eau et le vent, comme l'air. Elle est dans la rigueur mathématicienne comme dans la précision métrique des sciences expérimentales. Elle est partout. C'est une puissance, elle peut tout dire. Une langue est d'autant plus vivante qu'elle peut tout dire. Et donc, inversement, une langue qui n'exprimerait que l'une des régions que je viens de citer est en train de mourir en perdant ses locuteurs. Elle ne peut plus dire telle chose. La mer, elle ne peut plus dire la paysannerie, elle ne peut plus dire l'amour ou l'émotion. Bref, elle a perdu une de ses régions, elle est en train de mourir. Et donc, une langue qui ne perdrait qu'un seul de ses corpus, une langue qui ne perdrait qu'une seule de ses régions, préparerait sur la face de la terre son lent mais irréversible effacement. Et voilà pourquoi ma vie a connu la mort de certaines langues, les langues dites régionales, dont certains d'entre vous sans doute sont encore des locuteurs, de Bastia jusqu'à Bonifacio. Pourquoi ? Eh bien parce que ces langues-là ne pouvaient pas, à un certain moment, dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, tel concept géométrique ou telle réalité biochimique. D'ailleurs, de ces langues-là, vous autres Corses, vous avez assisté aussi au lent effacement historique de la célèbre lingua franca, qui était la langue séculaire des commerces et des échanges maritimes et commerciaux à travers la Méditerranée pendant plusieurs siècles. Cette lingua franca n'existe plus. Et donc, je recommence. Qu'est-ce qu'une langue vivante ? Une langue vivante est une puissance. Elle a la puissance ou le pouvoir ou la capacité de tout dire. Mais mieux encore, elle a la capacité de dire ce qu'elle ne sait pas dire encore. De créer, c'est-à-dire de trouver des inventions, de découvertes, des trouvailles, d'improviser, de créer des néologismes, de s'adapter à des nouveautés, d'être ouverte à l'inattendu, d'être ouverte à l'imprévisible. Une langue vivante est d'autant plus vivante qu'elle est alors une langue créatrice. C'est-à-dire, elle est la puissance de dire ce qu'elle ne dit pas encore. Et une langue où l'on ne créerait plus serait déjà une langue morte. Et c'est précisément la deuxième partie de la définition auquel je tiens le plus, savoir que si notre langue n'inventait plus, ne créerait plus, alors on pourrait dire que déjà, elle est en train de mourir. Voilà la définition la plus précise que je pourrais donner de la langue. Une puissance, un pouvoir, un potentiel, une capacité. Elle n'est pas, elle peut.
Elle peut tout. Elle peut tout dire. Elle peut se glisser partout dans le monde, je l'ai dit, comme l'air ou comme l'eau. Elle est cette puissance-là. Elle est d'autant plus vivante, je le répète, qu'elle peut se glisser aussi, ou créer, ou promouvoir, ou faire émerger des inventions imprévisibles ou des nouveautés imprédictibles. Je voudrais à cet égard faire une sorte de parallèle simple et concret et comparer ce que je viens de dire à ce qu'on pourrait dire de certains outils. Il y a des outils qui servent à quelque chose, un marteau, une pince, et ces outils, ils servent à quelque chose tant que cette fonction existe. Et dès lors que cette utilité n'est plus de mise, alors on les jette au rebut. Et ces outils qui servent à quelque chose ne font que encombrer souvent les cimetières de voitures ou les déjections de choses qui ne servent plus. Au contraire, des outils qui servent moins. J'entends par outils qui servent moins, par exemple, des instruments de musique. Un piano, une guitare, un violon. Voilà des instruments où l'on peut jouer tout ce qui a été écrit. Ces instruments permettent de dire tout ce qui a été composé, de exécuter tout ce qui a été composé, mais de plus, sur ces instruments, on peut improviser des nouveautés, créer, composer, etc. Vous voyez le parallèle à ce que je viens de dire de la langue. Il y a des instruments qui servent et des instruments qui me paraissent plutôt des puissances que des outils réels. Et méfiez-vous de la question à quoi ça sert. Lorsque vous posez la question à quoi ça sert cette chose-là, on a l'impression qu'on définit quelque chose qui peut rejoindre vite les champs d'épandage et qui mesure très vite la ringardise de son utilisateur. Et ce qui sert moins ou ce qui peut se définir comme des choses qui ont des utilités qu'on ne peut pas prévoir m'intéresse beaucoup plus et je vais en prendre quelques exemples. Le premier exemple que l'on connaît bien, c'est l'exemple de la main. À quoi sert la main? Je ne peux pas répondre à cette question. Elle sert à saisir, elle sert à frapper, elle sert à indiquer, elle sert à caresser sa petite amie, elle sert à jouer du piano ou du violon, et elle sert aussi à des choses que je ne peux pas prévoir. On peut créer des activités manuelles ou des métiers manuels nouveaux et on utilisera la main d'une façon inattendue, imprévisible. On peut créer et inventer avec la main. Le corps. C'est un philosophe qui s'appelle Spinoza qui disait « Le corps humain n'est pas, il peut ». Et c'est vrai, il peut tout. Il peut beaucoup de choses. Et sa définition... Et de nouveau, cette puissance-là, cette capacité-là, le corps, la main, la musique, voilà des instruments, voilà des êtres qu'on peut définir non pas par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils peuvent. Et d'une certaine manière, voilà, la langue n'est pas, elle peut. Elle peut comme la main peut, comme le corps peut, comme les instruments dont je viens de parler peuvent. Dites-moi... Vous qui, ce matin, avez allumé votre ordinateur, à quoi il sert votre ordinateur, hein? Dites-le-moi. Hein? Et il sert à tout. C'est un instrument qu'on peut appeler universel. C'est très bien, c'est très bien. Eh bien, la langue, c'est ceci. C'est un instrument universel. Enfin, je ne sais même pas si c'est un instrument, mais c'est une capacité universelle. C'est une sorte de totipotence. Elle peut tout. Totipotence. Je viens de citer une classe d'objets ou de choses, d'êtres totipotents. Je ne sais pas, par exemple,
J'ai parlé de la musique ou des instruments de musique. Je pourrais parler de la danse. Regardez un danseur qui prend mille mouvements et positions prédictibles ou imprédictibles et qui ne servent à rien et qui un jour peut-être nous serviront dans telle et telle circonstance. J'ai beaucoup de vergogne de parler devant un grand mathématicien, mais ces mathématiques abstraites-là répondent absolument à cette définition, c'est-à-dire à la totipotence. Les mathématiques abstraites sont en effet totipotentes. Elles peuvent dire tout. C'est une langue. C'est peut-être la seule langue aussi totipotente que la langue dont je viens de parler. Mais je vais revenir sur les mathématiques tout à l'heure. Voilà. Lorsqu'on définit ainsi cette langue, ou la langue, de cette manière de puissance, ou de totipotence, ou d'universalité, on étonne les gens qui préfèrent restreindre la définition de la langue à la communication. Qu'est-ce que la langue, disent-ils ? Eh bien, cette langue, ou la langue, sert à la communication entre les hommes, aux échanges, au commerce, à la vie sociale, à la vie sociopolitique, à la vie médiatique, collective, aux relations humaines, etc. D'une certaine manière, la langue est un outil de communication. Mais voilà, ce n'est pas vrai, parce que la langue sert à beaucoup plus que ça. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai fait la distinction entre la langue des hommes et la langue des choses. Vous vous rappelez ? Si elle peut tout dire, la langue est aussi la langue des choses, comme la langue des hommes. Elle est aussi formatrice de notre existence personnelle, de notre existence charnelle, de notre existence spirituelle et de notre destin humain, qui est formé profondément par notre langue. Et à supposer que nous restreignons cet usage de la langue à la communication humaine, aux échanges, au commerce, aux discours sociopolitiques, alors peut-être si la langue se réduisait à cela, nous deviendrons assez vite des animaux politiques, de stricts animaux politiques, des fourmis, des termites, des abeilles, danger majeur qui guette l'espèce humaine et en particulier aujourd'hui. Et à ce propos, je voudrais quitter les définitions un peu abstraites pour raconter une très très vieille histoire. Dans la plus haute antiquité grecque, bien avant que cette culture de génie invente la géométrie, la langue grecque avait un mot pour dire la vérité. Et pour dire la vérité, les anciens Grecs, non pas les Grecs classiques, mais les anciens Grecs de l'époque homérique, disons, les anciens Grecs appelaient la vérité aletheia, aletheia. Et vous le savez sans doute, dans nos langues gréco-latines, le préfixe a ou alpha désigne la négation de la racine qui le suit. Donc, aletheia voulait dire la négation de l'étheia. Et l'étheia, c'était une racine construite sur un nom propre, le Lethé. Et le Lethé était un fleuve, et très précisément le fleuve des enfers, et très précisément le fleuve par lequel on entrait aux enfers. Donc, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme mourait, elle se présentait à la porte des enfers sur le rivage du Lethé. Et là, un nocher, un marinier sur sa barque, embarquait celui qui venait de mourir et l'amenait sur l'autre rive du Lethé où il disparaissait dans les profondeurs infernales. Et ce Lethé, en langue grecque, voulait dire l'oubli. En effet, un homme ou une femme qui mourait, traversant le Lethé, disparaissait dans les ombres infernales et était parfaitement oublié des survivants de la terre. On s'en souvenait un peu, on s'en souvenait beaucoup,
on oubliait totalement qu'il avait existé. Et par conséquent, mourir, ça voulait dire être oublié. Non. Certains d'entre ces morts, des hommes ou des femmes, avaient le privilège de réembarquer sur l'autre rive du Léthé et de revenir sur la rive première. Et c'est pourquoi le mot « a », l'étéia, « a », privative, voulait dire l'inverse de la fonction que remplissait le fleuve Léthé. Donc ce n'était plus l'oubli, mais c'était le ressouvenir. En effet, on se ressouvenait de certains d'entre nous. Alors on se ressouvenait d'Ulysse, le navigateur, on se ressouvenait d'Achille, qui s'était révélé par ses exploits pendant la guerre de Troie, on se ressouvenait d'Alexandre, on se ressouvenait, etc. Et pourquoi s'en ressouvenait-on ? Oh, c'était tout simple, disaient les anciens Grecs, c'est parce que on parlait d'eux. Ils avaient conquis la gloire sociale, et ayant conquis la gloire sociale, on se souvenait d'eux parce que leurs exploits étaient vrais, parce que les historiens le disaient. Ah, l'étéia voulait dire la vérité, et la vérité était définie par la gloire sociale, c'est-à-dire ce que l'on disait. Est-ce vrai ? Oui, on le dit. Est-ce vrai ? Oui, Homère l'a dit. Est-ce vrai ? Oui, les journalistes l'ont dit. Est-ce vrai ? Oui, la télé l'a dit. Est-ce vrai ? Oui, les politiques l'ont dit. Nous y sommes. Qu'est-ce que la vérité ? C'est la gloire sociale. Et maintenant, qu'est-ce que la science ? Ce pourquoi les Grecs ont inventé la science, savoir la géométrie, la démonstration, et par la suite la physique et nombre d'autres raisonnements logiques, c'est qu'à un moment, certains d'entre eux ont refusé violemment cette définition d'aletheia. Ils ont refusé l'idée que la vérité ne pouvait se réduire aux relations sociales, que la vérité ne pouvait pas se réduire à ce que certains d'entre eux en disaient. C'est-à-dire la vérité n'était pas l'accord de la société. On pouvait être en désaccord à la société et être dans la vérité, alors que la société, au contraire, était dans l'erreur. Et c'est ainsi que certains philosophes, certains mathématiciens, certains géomètres ont inventé la science en refusant la notion d'aletheia au sens ancien du terme. Et c'est ainsi qu'aletheia est devenue la vérité, mais la vérité selon la démonstration mathématique, la vérité selon l'expérience physique, la vérité selon la mesure, selon les rigueurs et selon la précision. Et pour pouvoir conquérir la notion de vérité scientifique, il a fallu réellement refuser la notion d'accord social, ce qu'on en dit, ce que certains maîtres de la société en disent, les diffuseurs, non pas les déchiffreurs, mais les déciseurs, ceux qui parlent, ceux qui ont la parole. Je parlerai tout à l'heure de ceux qui ont la parole. Voilà comment, dans la langue grecque, la science est née. Elle est née contre l'opinion publique. L'opinion publique, le sondage, ne dit pas la vérité, mais la vérité est établie par d'autres moyens que l'opinion publique, par d'autres moyens que ce qu'on en dit. Et voilà pourquoi j'ai défini la langue autrement que la science, en commençant, et en parlant de puissance. Et je reviens, s'il vous plaît, maintenant, à la définition que j'ai donnée tantôt, de dire que la langue est la puissance de tout dire, la capacité de tout dire. Et je vais poser maintenant la question suivante, comment j'utilise moi-même cette puissance-là ? La langue étant la puissance de tout dire, comment l'utilisons-nous ? Et la réponse est un peu celle que je faisais sur les outils, celle que je faisais sur les ordinateurs, celle que je faisais peut-être même sur les mathématiques. Nous ne l'utilisons
qu'à peine un millième de sa puissance. Nous n'utilisons notre ordinateur, enfin au moins moi, qu'à un millième ou un centième de sa puissance, de sa capacité. Est-ce que j'utilise la langue au plein de sa capacité? La réponse est non. Elle est évidemment non. Je n'utilise la langue qu'à très peu de sa capacité. Alors je vais essayer, à partir de maintenant, d'entrer un peu dans les détails. J'aimerais comparer, pour être concret et bref et clair, j'aimerais comparer la langue dont je viens de définir sa fonction première, je voudrais la comparer à un iceberg. Vous savez sans doute que iceberg tant un mot scandinave, on ne doit pas dire iceberg, mais iceberg. Je compare la langue à un iceberg, et cet iceberg est plongé dans la mer, dans l'eau, et ne dépasse de la surface de l'eau qu'une petite partie de la masse totale de l'iceberg. Et ce qui émerge de la langue, c'est ce que j'appellerais volontiers l'usage. Je vais rentrer un peu dans le détail de l'usage, s'il vous plaît. Et je vais prendre un exemple, je vais dire, je vais prendre une corde pour lier un bouquet de fleurs. Voilà, une phrase, n'importe laquelle. J'ai employé le mot corde et j'ai employé le mot fleur. Vous qui êtes marin, ici, à Ajaccio, vous savez que des cordes, il n'y en a jamais à bord d'un bateau. Il y a des haussières, il y a des bitors, il y a mille sortes de câbles, mais il n'y a pas de cordes. Par conséquent, le mot corde est rentré dans l'usage, mais c'est un mot qui est inutile sur un bateau, qui ne sert pas sur un bateau, et par conséquent, le mot corde est dans l'usage, mais il ne veut rien dire pour un métier qui utilise précisément des cordages. Le métier qui utilise précisément des cordages n'utilise jamais le mot corde. Un charpentier qui fabrique des fermes n'utilise jamais le mot poutre. Il sait ce que c'est qu'un arbalétrier, mais il ne sait pas ce que c'est qu'une poutre. De la même façon, un botaniste ou un fleuriste n'utilise pas le mot fleur. Il sait ce que c'est qu'une violette, qu'une campanule, qu'un arôme, il sait ce que c'est qu'un lys, qu'une rose, etc. Et encore une rose. C'est bien abstrait. Donc, vous le pensez, il y a deux sortes de mots. Il y a le mot d'usage, qui est en haut de l'iceberg, le mot fleur, le mot poutre, le mot corde. Mais si vous l'utilisez, vous l'utilisez dans un sens extrêmement abstrait, d'une abstraction plate et sans intérêt, et que le marin, que l'homme de métier, que le fermier, enfin pas le fermier, celui que le charpentier qui fait une ferme ou que tout autre métier ne comprendra pas. Et encore une haussière. Il y a plusieurs sortes d'haussières. Il y a les traversiers, il y a la garde montante, la garde descendante. Une haussière, c'est déjà très abstrait. Donc, quand on rentre dans le métier et dans le concret, on découvre le mot propre. Et le mot propre est monosémique, c'est-à-dire il n'a qu'un sens. Un arbalétrier est exactement placé là, dans la ferme ou dans la charpente. Une haussière ou un garde-montante est un cordage placé là et là seulement. C'est lui. Donc, c'est le mot propre. Le mot corde, ce n'est pas le mot propre. Je voudrais là vous confier le problème majeur que rencontre un écrivain de langue française, ou enfin, un écrivain. Un écrivain est un homme très malheureux qui a presque à chaque instant choisir entre une haussière et une corde. S'il dit corde, il sera compris de tout le monde, mais le marin lisant son texte, disant « ce monsieur n'y connaît rien », l'écrivain qui écrit le mot poutre sera lu de tout le monde, mais le charpentier qui le lira dira « cet auteur n'y connaît rien ». Par conséquent, on hésite tout le temps entre le mot courant, polysémique,
corde veut dire beaucoup de choses, et le mot propre qui est monosémique, c'est-à-dire celui qui a beaucoup de sens et qui est dans une abstraction un peu plate, et celui qui a un sens très précis, comme haussière, etc. Et celui qui a un sens très précis est toujours en dessous de la ligne de flottaison. Alors une langue a l'usage qui est au-dessus de la ligne de flottaison, et en dessous, la langue des biologistes, la langue des éboueurs, la langue des mariniers, la langue des putains, la langue des curés, la langue des paysans, la langue des physiciens nucléaires, la langue des botanistes, la langue, etc. Qu'est-ce qu'une langue ? C'est la somme de ces idiolectes. J'appellerais idiolecte la langue précise du charpentier, du physicien nucléaire, du mathématicien, encore mathématicien. Ça ne veut rien dire. Il faut que ce soit topologie ou algèbre ou calcul des probabilités, etc. Il y a mille sortes. Donc, les idiolectes sont extrêmement nombreux. Alors, attention, qu'est-ce qu'une langue ? C'est cet iceberg-là, c'est-à-dire l'usage plus la somme énorme des idiolectes sous la ligne de flottaison. Théorème 1, la langue est d'autant plus vivante qu'elle a énormément d'idiolectes sous la ligne de flottaison. C'est-à-dire, plus il y a d'idiolectes et plus ils sont précis, plus la langue est riche, plus la langue est vivante, plus la langue est créatrice, puisqu'elle est sans arrêt en train d'enrichir la somme de ses idiolectes. Et bien entendu, l'usage en haut, l'usage, celui qui est au-dessus de la ligne de flottaison, est parfaitement, abstrait, c'est un grand mot, trop vague. Je dirais volontiers que l'usage est illettré. Le vocabulaire ordinaire qu'on utilise généralement ne rentre pas dans ces idiolectes, ne rentre pas dans ces corpus, dans les corpus que ramène la langue. Et vous le savez sans doute, le français, la langue française, est une des langues dont la somme des idiolectes est la plus riche et la plus ancienne. Parce que la datation, le début des langues savantes en France est beaucoup plus ancien que dans les autres langues. Et les Chinois appellent le français la langue des lois. Parce que la somme des idiolectes de type juridique que comprend le français est un des plus anciens de toutes les langues du monde. Par conséquent, la somme des idiolectes en langue française est énorme et elle comprend toutes les sciences. C'est-à-dire chaque science que je viens de citer, les mathématiques dans leur énorme division de spécialité, la physique dans son énorme division de spécialité, etc., les sciences du vivant et de la terre également, font partie de ces idiolectes où il n'y a plus dans leur usage que des mots propres, que les mots les plus propres possibles, c'est-à-dire les mots les plus monosémiques possibles, qui n'ont qu'un seul sens. Les idiolectes sont des langues où les mots sont les plus propres et ont le plus possible un seul sens. Et c'est la définition qu'on pourrait donner d'une langue scientifique. Elle fait partie, en effet, de ces langues difficiles à acquérir. Je me souviendrai toute ma vie comment, à l'âge de 22 ans, j'ai mis les pieds pour la première fois sur un bateau de la Marine nationale où la langue utilisée n'avait absolument rien à voir avec la langue qu'on utilisait sur le quai. Et le premier ordre qu'on m'a donné, je n'y ai rien compris, comme si on m'avait dit le chinois, et j'ai posé naïvement la question « mais qu'est-ce que veut dire ce mot ?» Et très gentiment, le quartier maître m'a dit « ce mot, ça veut dire ça », et il a employé pour définir le mot quatre mots que je ne comprenais pas. Et j'ai demandé la définition de ces quatre mots que je ne comprenais pas, j'ai eu droit à 17 mots que je ne comprenais pas, et ainsi de suite. Et donc vous rentrez dans une langue tout à fait spécialisée, qui est la langue du métier, la langue des marins. Le miracle, c'est que trois semaines après, vous parlez cette langue aussi aisément que si vous la parliez depuis votre naissance. Et donc, ces langues-là sont difficiles à atteindre. Pourquoi ? Parce que chaque mot est un mot propre, et c'est un idiolecte dans ce sens-là. Et quand vous rentrez en mathématiques, quand vous rentrez en topologie, quand vous rentrez en botanique, quand vous rentrez, etc., dans les sciences données, vous rentrez dans un langage nouveau,
Et toute la question que je vais me poser maintenant, c'est qu'est-ce que c'est cet ensemble de langages nouveaux qui forme la langue scientifique. Mais avant de venir là, je voudrais revenir à mon iceberg. Alors, figurez-vous cet iceberg qui est une partie au-dessus de la ligne de flottaison, qui est l'usage illettré. Le français que nous utilisons dans la rue, à l'école, entre amis, à la maison. Et puis, cette masse énorme de corpus de métiers de sciences qui est sous la ligne de flottaison, langue difficile, mais justement précise et monosémique. J'ai dit tout à l'heure que la langue pouvait tout dire. Et j'ai appelé cette puissance-là, ou cette capacité, la totipotence. Toti, tout, potence, pouvoir. Pouvoir tout dire. La totipotence. Il arrive parfois, et c'est un accident redouté des marins, que, pour des raisons de fusion, l'iceberg tout d'un coup se retourne. Et si cela arrive alors que vous êtes en train de naviguer pas loin de là, vous risquez le naufrage. Je vais maintenant envisager le cas où l'iceberg se retourne. Il y a des cas, en effet, où l'iceberg se retourne. Quel est ce cas-là? Ce cas est assez facile à comprendre. C'est que le renversement du glaçon vient du fait qu'un des idiolectes, devient très important dans la société en question et devient si important qu'il remplace tout d'un coup le langage de l'usage. C'est-à-dire, il devient si important que tout le monde croit que cet idiolecte-là, que ce langage de métier-là devient le langage de tout le monde et peut remplacer tous les autres. Nous avons assisté récemment au fait que tout le monde ne parle plus que d'économie, tout le monde ne parle plus que de finances, tout le monde ne parle plus que de chômage, de travail, tout le monde ne parle plus que de questions économiques. Vous l'avez remarqué. Et tout d'un coup, en effet, cette langue-là, cette langue particulière de l'économie, de la finance, du commerce, est devenue si importante que tout le monde croit que c'est cela même parler de tout. Et cet idiolecte-là a pris la puissance de la langue. Et l'iceberg se renverse. Il y a des raisons pour cela, de vraies raisons. Et dans le cas de la finance, dans le cas de l'économie ou dans le cas de l'argent, le fait qu'il ait pris toute l'importance qu'il a prise aujourd'hui, il y a une vraie raison pour cela, c'est que l'argent est totipotent. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'argent? Ben, c'est bien connu, c'est l'équivalent général. Avec de l'argent, vous pouvez avoir des chaises, des tables, de quoi manger, une propriété agricole, des maisons, etc. L'argent est l'équivalent général. Donc il est totipotent. Et comme il est totipotent, il peut passer pour l'usage le plus général et l'iceberg se renverse. Et tout d'un coup, nous avons une société qui ne parle plus la langue, qui ne parle plus sa langue en tant que puissance de tout dire, mais qui restreint sa langue à un idiolecte, cet idiolecte-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens, à la radio, à la télé, dans les journaux, etc., ne parlent plus que d'économie, d'argent. L'idiolecte s'est renversé. La puissance de tout dire est désormais aux mains d'un idiolecte particulier, l'argent. Que c'est fatal. Ce n'est pas forcément fatal, je ne crois pas. Je voudrais vous en donner quelques exemples. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai été très influencé par la pensée d'un de mes prédécesseurs, et qui s'appelle Georges Dumézil,
Et Georges Dumézil disait, et il l'a écrit dans une quarantaine de livres, que nos sociétés indo-européennes sont depuis des millénaires divisées en trois fonctions. La fonction religieuse, la fonction militaire et la fonction productive et économique. La fonction religieuse, il l'appelle Jupiter. La fonction militaire, il l'appelle Mars, avec les dieux romains Jupiter, fonction religieuse, Mars, fonction militaire, Quirinus, fonction économique. Et il dit que à peu près toutes nos sociétés ont ces trois fonctions-là et sont divisées souvent en trois classes ou trois castes, les prêtres, les militaires et les commerçants, producteurs agricoles, par exemple, ceux qui sont dans l'économie. Et il ajoute qu'il est arrivé que dans nos histoires, dans l'histoire des sociétés dites indo-européennes, eh bien, l'histoire s'est partagée en des moments où les religieux avaient le pouvoir, attention, avaient la parole, où les militaires avaient le pouvoir, attention, avaient la parole, je recommence, où les religieux avaient le pouvoir, je recommence, avaient la puissance, je recommence, avaient la parole, où les militaires avaient la puissance, avaient le pouvoir, avaient la parole, et puis un moment où, Quirinus, les économistes, l'argent, le commerce, les producteurs avaient la puissance, le pouvoir, la parole. Et comme si le glaçon s'était renversé trois fois. C'est-à-dire un des idiolectes avait pris le pouvoir de l'usage, mais avec des raisons parfaitement satisfaisantes, c'est-à-dire qu'en effet, Dieu est tout-puissant, et les religieux avaient raison, la violence est toute-puissante, rien ne lui résiste, et ils avaient raison, et l'argent est l'équivalent général, ben, ils avaient raison, on peut prendre l'usage. Et vous voyez donc que là, le fait que pour nous, aujourd'hui, l'argent soit l'équivalent général, c'est-à-dire est remplacé dans notre discours ordinaire la langue en entier, ben, c'est tout simplement une sorte de troisième avatar d'une loi historique qu'on peut mettre en place et dire, ben voilà, ça s'est déjà vu, mais ça s'est vu sous d'autres moments. Et toute la question est de savoir si nous sortirons un jour de cette ère-là, comme on est sorti de l'ère de la théocratie, comme on est sorti de l'ère de la féodalité, comme on sortira peut-être de l'ère de la plutocratie. Vous voyez, c'est une affaire de puissance. Et vous comprenez pourquoi maintenant, en vous retournant, j'ai défini la langue comme une puissance, comme une capacité. Une puissance au sens alors complet du terme puissance. Et maintenant que j'ai parlé de la langue en général, je voudrais revenir à mon histoire des langues scientifiques de tout à l'heure, que j'ai commencé vaguement en parlant de périodes très archaïques et en me souvenant avec vous de la notion d'aletheia. Vous vous rappelez le travail des scientifiques pour essayer de convaincre la société que la vérité n'est pas seulement liée à l'opinion publique, mais à d'autres moments, etc. Et comment les savants ont-ils fait pour, peu à peu, construire cette vérité-là ? Réponse. En ne cessant jamais de construire des langues. En ne cessant jamais de construire des langues. Alors, au travail, comment ont-ils fait ? Eh bien, les Grecs, qui ont inventé la géométrie, ont inventé une langue. Et une langue quasi complète qui a son couronnement dans les éléments d'Euclide. Dans les éléments d'Euclide, vous avez entièrement formalisé, entièrement formaté, entièrement construite, un monument extraordinaire de langue avec ses axiomes, avec ses postulats, avec ses définitions, avec l'ensemble de ses théorèmes qui se déduisent les uns des autres. Et vous avez une langue complète qui n'est pas du tout la langue archaïque de la géométrie. Vous savez sans doute, par parenthèse, que le plan, autrefois, chez les anciens Grecs, s'appelait chroia ou chroma, c'est-à-dire la couleur, et que peu à peu, ils en sont venus à le définir de façon plus abstraite pour le faire rentrer dans la langue polysémique ou monosémique des éléments d'Euclide.
Donc, premier acte, construction de la langue géométrique chez les Grecs avec Euclide. Deuxième acte, au Moyen-Âge, peu à peu, l'algèbre est rentrée dans cette langue-là, et au moyen des algébristes, dont le premier serait Eudoxe de Cnide chez les Grecs et dont les derniers seraient arabes, l'algèbre est venue peu à peu compléter le langage de la géométrie. Je vais très vite. Invention d'un langage géométrique, invention d'un langage algébrique, et peu à peu, avec les grands Descartes, etc., invention de langage géométrie algébrique, calcul infinitésimal, et ainsi de suite, dont des langues adaptées de plus en plus raffinées du côté mathématique. Et soudain, au XVIIe siècle, invention extraordinaire d'une nouvelle langue, c'est Galilée qui écrit cette parole extraordinaire, la nature ou les choses de la nature sont écrites en langage mathématique. Le mot langage mathématique est utilisé par Galilée pour dire que les choses elles-mêmes parlent la langue mathématique. Vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai, à propos des langues régionales, fait la distinction entre la langue des hommes et la langue des choses. Voilà, c'était pour en revenir là. C'est-à-dire que Galilée dit vraiment que la langue mathématique n'est pas forcément la langue que nous parlons entre nous, mais la langue que les choses elles-mêmes parlent. Enfin, elles sont écrites, elles sont codées en langage mathématique. Et la définition de la physique mathématique, c'est de nouveau une définition linguistique. Mais le siècle le plus extraordinaire concernant les langues scientifiques, c'est évidemment le XVIIIe siècle, l'époque des Lumières. On parle souvent de l'encyclopédie comme somme de la totalité des sciences. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un dictionnaire. Et comme il s'agit d'un dictionnaire, il s'agit de créer une langue avec des mots scientifiques sous le patronage de tous les philosophes de la langue de l'époque, en particulier de Condillac. Et à ce moment-là, apparaissent plusieurs autres langues scientifiques qui sont tout à fait remarquables à cette époque-là. C'est Lavoisier, qui, à l'aide des corps simples, commence à créer une langue propre à la chimie et qui est désormais notre langue. C'est-à-dire il arrive à construire la formation grammaticale des mots chimiques. Ensuite, Linné, dans sa classification, va utiliser le latin pour décrire et classifier Linné, après Tournefort, bien entendu, mais Linné codifie un peu la langue de l'histoire naturelle. Mais je voudrais, par parenthèse, là, glorifier le XVIIIe siècle, non seulement parce qu'il a créé des langues comme la langue de la chimie ou amélioré la langue de l'histoire naturelle, mais n'oubliez jamais que ce siècle-là a créé d'autres langues vraiment tout à fait passionnantes et que certains d'entre vous connaissent sans doute. C'est premièrement la langue des sourds-muets, c'est-à-dire la langue des signes de l'abbé de l'Épée, qui a été créée aussi sous le même mouvement de création de langues techniques, non seulement de métiers, mais aussi de sciences, et aussi braille, c'est-à-dire la langue des aveugles. Vous voyez donc qu'il y a un grand mouvement là de création de langues, dont les langues scientifiques sont les filles. Et bien entendu, aujourd'hui, nous parlons une autre langue. Il me semble même que le père de toutes ces langues-là serait Alan Turing, c'est-à-dire celui qui... Je ne sais pas si les gens connaissent l'histoire d'Alan Turing. Pour détendre l'atmosphère, je voudrais bien la raconter. Alan Turing est professeur d'arithmétique dans un collège de Cambridge dans les années 35-36. Vous connaissez ça? Peut-être pas. Tout ordinateur est dit une machine de Turing, T-U-R-I-N-G. Il est professeur d'arithmétique à Cambridge dans les années 35-36. La guerre éclate, 39, la guerre éclate. Il est convoqué sous les drapeaux et comme il est spécialiste d'arithmétique, il est nommé au ministère de la Marine comme déchiffreur de messages, décodeur de messages. Et vous le savez sans doute, la marine allemande, pendant la guerre, avait créé une machine extraordinaire qui s'appelait Enigma, qui était chargée de coder ou d'encoder tous les messages que l'amirauté allemande envoyait à ses vaisseaux. Turing a été de décoder ou de déchiffrer les messages de l'amirauté allemande. Il a réussi.
Il a réussi, lui aussi, à former une machine qui a réalisé l'exploit de déchiffrer la totalité des messages échangés par les armées allemandes. Et d'une certaine manière, on peut dire que Turing a gagné la guerre. Parce que l'amirauté britannique et les amirautés alliées ont passé toute la guerre à essayer de cacher à l'armée allemande qu'on avait décodé leurs propres secrets. Et donc, ils savaient absolument tout ce que l'armée allemande devait faire, à la fois pour le débarquement et toute autre manœuvre navale. Donc, Turing a gagné la guerre. Oui, tout simplement. Et tout à fait modestement, ce brave mathématicien est rentré dans ses foyers la guerre finie et a continué à enseigner l'arithmétique à Cambridge. Et 3 ans après, il était cambriolé. Et il est allé voir le commissaire de police pour déposer plainte. Et le commissaire de police lui a dit « Vous avez quelque idée de celui qui vous a cambriolé ?» Et Turing a dit « Oui, je le connais parfaitement. C'est mon amant. Je suis homosexuel et c'est mon amant qui m'a volé tout ce que j'avais parce qu'il avait la clé de chez moi. Donc je porte plainte contre lui. » Et le commissaire de police lui a dit « Savez-vous, monsieur, que la législation britannique condamne l'homosexualité ?» Et ce n'est pas le voleur qui est passé devant les tribunaux, ça a été Turing. Et Turing a été condamné à choisir entre l'emprisonnement et une sorte d'empoisonnement, de traitement par une pharmacopée plus ou moins dominée à l'époque, qui lui a donné tellement de tourments qui s'est suicidé. La Grande-Bretagne a tué son sauveur. Ça, c'est de la très belle histoire des sciences, n'est-ce pas ? La législation britannique a mis à mort celui qui avait gagné la guerre pour elle. Bref, Turing a inventé un langage, celui que nous utilisons aujourd'hui dans les algorithmes d'informatique. Vous voyez donc que l'histoire rapidement dite, avez-vous remarqué que là, j'ai envie d'observer quelque chose qui me permettra presque une conclusion raisonnable. J'ai dit en commençant qu'une langue était une puissance, la capacité ou le potentiel de tout dire. Non seulement de tout dire, mais d'inventer des choses imprédictibles, d'inventer des choses inédites, des découvertes, des trouvailles, de la création, le créatif. J'ai l'impression que ce que je viens de dire de la découverte progressive de toutes les langues de science ne font qu'imiter ou que mimer la totalité de ce que peut la langue. Comme si la totalité des sciences, inventant ces idiolectes les uns après les autres, avait inventé ensemble une langue complète. Qu'est-ce que la science ? C'est la puissance de tout dire. C'est la capacité, le potentiel de tout dire. À la fois dans l'usage, un usage rigoureux, universel, etc., et d'autre part dans la précision individuelle, paysagère des moments les plus monosémiques possibles. Et j'ai l'impression que cette langue-là, ce pourquoi je crois, moi, à cette langue-là, c'est que peut-être cette langue-là est la puissance qui pourra nous délivrer de toutes les puissances d'aujourd'hui, en particulier celle de l'argent. Parce qu'elle peut lutter à armes égales contre elle à cause de cette totipotence-là. Si l'argent est l'équivalent général, la science aussi est une équipotence, une totipotence qui peut lutter contre elle et nous délivrer d'elle. Sur ce point, je voudrais conclure autrement, et conclure un peu comme j'ai commencé. Après cette profession de foi et cet espoir réel que je porte en moi et que je voudrais vous faire partager, je voudrais revenir sur la vie et la mort de ces langues que je porte en moi un peu comme un oiseau blessé, et qui me fait penser au fait qu'une langue, par exemple le français, a aussi une autre caractéristique. Elle a certes le pouvoir de tout dire, mais comment le dit-elle, ce tout ?
Comment dit-elle tout? Elle le dit avec un point de vue ou un angle original sur les choses du monde. Le français a un angle d'attaque sur le monde que n'a pas l'anglais, que n'a pas le portugais, que n'a pas l'espagnol, et chacun ayant un angle d'attaque particulier. Et c'est pourquoi un dictionnaire est toujours un tissu de mensonges. Je veux dire par là qu'un mot dans une langue donnée ne se traduit jamais par un mot dans l'autre, dans une autre langue, mais se traduit par une sorte de flou artistique dans une aire sémantique extrêmement large. Oui, un dictionnaire est un tissu de mensonges. Et par conséquent, oui, une langue, le français, l'anglais, le portugais, n'importe quoi, le chinois, le mandarin, sont des attaques originales et précises sur les choses du monde. Et le fait que nous parlions sur la planète des milliers de langues est un phénomène analogue à ce qu'on appellerait en botanique ou en zoologie la biodiversité. Il y a une biodiversité des langues. Et ces langues-là, chacune dit quelque chose d'original sur les choses du monde ou les relations humaines, sur la langue des hommes ou la langue des choses. Et ce point de vue original est tel que je regretterais énormément qu'une langue meure. Et ce pourquoi j'ai commencé un peu par cette oraison funèbre des langues régionales, c'est que les langues régionales aussi avaient un angle d'attaque sur les choses au moins rurales, vous voyez, et que j'ai vraiment regretté que ces langues s'affaiblissent. Et qu'arrivera-t-il aux Français s'ils mourraient? Autrement dit, cela pose la question du fait que dans les sciences, désormais, nous ne parlons dans le monde qu'une seule langue, c'est-à-dire l'anglais. Et ça pose un problème réel et profond qui serait le suivant. S'il est vrai qu'une langue, en tant que puissance de tout dire, est un véritable angle d'attaque original sur les choses du monde, que perdons-nous si nous ne parlons qu'une langue? Réponse, nous allons perdre la totalité des autres angles d'attaque sur les choses du monde. Et si la langue n'est pas seulement une puissance de tout dire, mais une puissance de créer des nouveautés imprédictibles, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on ne perd pas, en parlant qu'une langue, d'autres pouvoirs de créer, et de créer autrement et de façon différente? C'est vraiment une question. Alors la réponse à cette question est aussi évidente que la question. Je veux dire par là que tout le temps, dans toute l'histoire, on a eu une langue de communication. L'anglais n'est que la 5e ou 6e langue de communication des sciences, du commerce et de l'humanité. En effet, dans le bassin méditerranéen, qui vous est familier, la langue grecque a été pendant des siècles la langue de communication, qu'on appelait d'ailleurs koiné. Koiné, ça veut dire la langue commune. Et la preuve, c'est que les Juifs disaient « synagogue », qui est un mot grec, que les Égyptiens disaient « pyramide », qui est un mot grec, et que les chrétiens disaient « évangile », qui est un mot grec. Et par conséquent, la koiné était grecque, et tout le monde parlait grec. Et d'ailleurs, dans les sciences telles que nous les pratiquons aujourd'hui, beaucoup de mots sont d'origine grecque. Et je dis volontiers que le grec et le latin sont des langues mortes et vivantes dans la langue scientifique d'aujourd'hui, un peu comme les dinosaures sont morts et vivants dans les oiseaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire, les oiseaux sont encore des dinosaures, vous le savez, c'est des sauriens. Eh bien, nous parlons encore, vous autres savants, parlez encore grec et latin, un peu comme les oiseaux sont des dinosaures. Donc, les Grecs et les Latins, le grec et le latin ont été les langues de communication. Puis ensuite, ça a été le français, vous le savez, qui a été la langue de communication 17e, 18e et une partie du 19e siècle. On a failli revenir au latin à la fin du 19e siècle, puisqu'à peu près toutes les thèses en Europe, qu'elles soient de mathématiques ou autres, étaient dans le latin. Mais on a raté ce virage-là et on est tombé sur l'anglais, disons, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, la langue commune, c'est l'anglais. Demain, ce sera peut-être le pékinois ou le mandarin, en tant que langue, disons, majoritaire sur la Terre, on n'en sait rien. Enfin, pour le moment, c'est l'anglais. Et toute la question est de savoir, allons-nous enseigner aujourd'hui la totalité des sciences dans une langue autre que le français? C'est une vraie question.
Et la question est difficile à résoudre parce que les deux arguments sont valables dans les deux sens. Il nous faut absolument une langue de communication, et il est normal, salutaire et raisonnable que les savants aient en commun une langue de communication. Ils ne peuvent pas parler toutes les langues. Il en faut donc une. C'est obligatoire. Et non seulement c'est vrai dans la pratique, mais c'est vrai dans l'histoire, puisqu'il y a eu tout le temps des langues de communication. Mais deuxièmement, qu'est-ce qu'on perd si, par hasard, à un certain moment, le français n'est plus enseigné comme langue de science? Là, on va retourner à un état où nous étions au Moyen-Âge, avant François Ier, dont vous vous souvenez sans doute, où il y avait la langue maternelle et la langue paternelle. La langue paternelle, c'était le latin, que le père parlait parce qu'il était avocat, parce qu'il était médecin, parce qu'il était juriste, etc. Et la langue maternelle, qui était le français, qui était la langue qu'on parlait à la maison. Alors, est-ce que nous allons aussi être bilingues quand nous serons scientifiques, que nous parlerons anglais quand nous parlerons sa science et que nous parlerons français? Ce serait une régression vers l'étape du Moyen-Âge. Toute la question est de savoir si les logiciels de traduction vont sauver les langues vernaculaires comme le français. Toute la question est de savoir, pour finir, et je ne sais pas la résoudre, si le français, comme les langues régionales, pourrait mourir comme le corse ou comme est mort le gascon, ma langue maternelle. Merci beaucoup. Thank you.